bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War Ragnarok. On avait affronté un mec très strong. Et là on continue notre aventure. Néanmoins je vous avoue que prendre un peu de recul pour retourner voir le vendeur, ça serait pas mal. Étant donné que j'ai utilisé la pierre et je ne le savais pas, mais en fait la pierre ne vous redonne pas vraiment de vie. Elle vous redonne plutôt... comment on appelle ça? Qu'est-ce que c'est? Ok. Ok, c'est très bizarre. Elle vous redonne en fait toute la rage. Et en tapant avec la rage, vous pouvez récupérer une vie. Oh non, mais tu vas pas me casser les couilles, toi. Toi, tu vas pas me casser les couilles. En gros, le dragon peut rien faire, hein, vous l'aurez compris, c'est une sorte de... problème. Résurrection de Berserker, hein, rempli. Santé ou... putain. Je me tape de fou quand même. La Berserker. Berserker quand même. Ça reste 5000, hein, par contre, c'est cher de fou. Hein. Oh, c'est cher de fou. Les gars, j'ai presque plus d'argent pour m'acheter... m'acheter une pierre, hein. C'est... Alors que... J'ai pimpé de fou ma tenue. Là, c'est compliqué. Là, honnêtement, je vous l'avoue. Attendez. Ok. Ah! Ça fonctionne! Ah, je m'attendais pas à ça! Ok. Allez, hop. Éclatage de gueule. Oh. Ok, vas-y, viens. Ça c'est fort. Ça c'est fort du tout. Okay. Allez, hop, ça dégage. Éclatage de gueule. Voilà. Oh. Et ben voilà. C'est terminé. Peut-être la vie pourra-t-elle à nouveau prospérer ici. Andvari serait content de savoir qu'on en a tué un autre. C'est quoi cette armerie d'Eir? Incroyable. Andvari, le nain qui a transféré son âme dans un anneau. Lui-même, il a créé les mangeurs d'âmes. Qu'est-il advenu de ce maudit Lascar? Ça, c'est un avortement. Je l'ai prêté à Sindri, il dit qu'il l'a perdu. Où est le deuxième? Perdu. À la vue de tous, terminé, ok, ça c'est fait. Attends, qu'est-ce que je branle là? Oh, putain, attendez, je suis totalement perdu. Là, on vient d'acheter. Ok. La porte... Ah, ok, on a ouvert la porte, c'était par la porte. Très bien, il fallait aller à droite ensuite. Waouh! Je vous avoue, j'étais un tout petit peu perdu. Et là, c'est bon, on a retrouvé le droit chemin. On enchaîne en même temps tellement les boss élites là que c'est chaud de fou. Je suis moi-même surpris de toute cette chaleur, si je puis me permettre. Let's go. Allez, ça commence plutôt fort cet épisode, je vous le dis. On y va. Bon, qu'est-ce qu'il y a, toi, encore? Fais que de gueuler, le con, là. Dragon de mort. Théo, bibiche! Ouais, super. On l'a coincé! Ouais. Pourquoi tu dis coincé? Ok. Ok. Ok, c'est beau ça? Ok. Ok. À cette allure-là, je devrais pouvoir t'arracher la gueule très très vite. Ok. Très bien. Bon, ça c'est fort, ça c'est fort. Ça c'est très fort ça, bien wesh. Oh le pre-shot. Vas-y viens, 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 Bibiche.
Voilà. Je suis beaucoup trop chaud. Oh, je l'ai vraiment. Ok. Est-ce que je lui colle? Est-ce que je lui colle à cet abruti? Ok. 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 Très bien. Ok. La vache. Très bien. Ok. Vas-y, viens. Atreus, reste pas là. Abruti. Ok. Ok. Et je suis trop chaud là. Sur ce boss là, je suis giga chaud, c'est un truc de fou. Ok, bon là je pas pu faire grand chose. Ok. Oh la vache. Ok. Et ben voilà. Pas de problème. Hop, allez, c'est terminé. Hein. Oh, oh, let's go. Oh, c'est tout. Oh, oh, la vache. Tiens, on va lui faire fermer sa gueule. Voilà. Atreus. Voilà, la triple. Hop, on lui ouvre le cou. Ah, la boucherie charcutière, y'a plus rien à dire ici. Qu'est-ce qui se passe? On va se faire respecter, je te le dis. Ben voilà. On n'a plus qu'à retrouver Birgir. Bizarrement, tout se passe bien. J'ai été beaucoup trop chaud. Ok. Alors attendez, attendez. Griffe acérée d'un dragon permet de fabriquer l'armure en métal. Gardons-le de côté le temps de savoir ce que l'on peut en faire. Ah ! Ok. Et là, petite récompense quand même, les gars, non ? Bien sûr, petite récompense. Mon bon Kratos, de manière allez, chou ! Comme ça, tu seras bientôt un expert. Je ne saurais dire s'il était condescendant ou seulement triste. Les deux. Ok. Vestige de flamme obtenue des anciens pour lui rendre sa forme initiale. Ah ! Oh la vache, on peut monter. Incroyable. Je m'y attendais tellement pas, mais attendez, y'a plus rien là-haut. Ah si, y'a un bail. Ok, superbe. Putain, c'est incroyable là ce qu'on vit là, je suis trop content. Ces 10 premières minutes sont un régal. Ok, l'angoisse garien, ça on va améliorer comme un fou, comme un soldat, comme une star de par cinéma. Ici. T'es qui toi frère? C'est mon ref. Merci beaucoup. Non, merci à toi. Tu nous as sauvés sur le bateau. Pas vrai père? C'était stupide. Et appréciable. Il y a un accès mystique non loin. Mais je n'ai pas la pierre adéquate. Nous si. Eh ben vas-y, viens. Je n'arrive pas à croire que tu aies survécu à la chute. Comment tu as fait? J'ai roulé. À bientôt. Hey, le balèze. Le chef a besoin que tu persuades ce cerf de regagner l'arbre monde. C'est le chef qui a besoin de toi, compris? Pas moi! Moi ça va, j'ai l'estomac rempli de fourrage. La belle vie, quoi. Enfin bref, va le voir dans le monde entre les royaumes quand t'auras un moment. À chaque saison son cerf, ok. Oh bien, ta gueule. Parler à... Ouais, bah plus tard, au calme. Au calme, allez, ça dégage. Bon, on a enchaîné les boss, là. Pas peu fier. Le dragon s'est fait, il va pas nous casser les coronettes. Ok. Incroyable.
Allez, bien, ça, ça me plaît. Il m'a fait peur. Oh putain, c'était un giveur de... Sugoi. Bon, il y a le cerf. Tu as le droit de me crier dessus, si tu veux. Pour être parti. Qu'est-ce que cela changerait? Tu pourrais te sentir mieux. Non, tu ne m'as pas assez fait confiance pour venir me parler. Ce n'est pas une blé... Cela peut attendre. L'heure est au combat. Ok. J'ai déjà assez de... j'aimerais beaucoup aller en face. Ah bah voilà. Voilà, voilà, voilà. On a notre réponse. Regardez-moi ça. What a combo. Ça m'a toujours fait rire, voilà. Ici, il faut savoir apprécier les choses avec le peu qu'elles ont à vous offrir. Très bien, ça. Hop, on prend, évidemment. Ça, je sais pas si j'étais à fond. Vraiment, on est venu que pour ça? Bizarre. Bizarre, bizarre. C'est nul, même. Ok, et derrière, je piche pas. Derrière, comment ça se fait qu'il y a un coffre qu'on peut pas... Putain, faut vraiment que je trouve un... On va essayer d'aller là. Yes, on peut. Allez, superbe. Quel dommage. Une rivière coulait ici autrefois, donnant vie à une faune et une flore très diverses. Qu'est devenue cette rivière? Odin y est pour quelque chose, n'est-ce pas? Oui, il l'a barrée. Pourquoi s'épuiser à combattre l'ennemi quand on peut le faire? La sécheresse. Non, ma gueule. Ouais, il est mort. En fait, tout le monde meurt. De tous ceux qui essayent de me rejoindre meurent. Ça, j'adore. Hein. Cette lance-là, elle est exceptionnelle. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah ah! Très bien. Les amis, je rappelle qu'on est uniquement dans des quêtes secondaires. T'es passé par là. On a tué un dragon, on a sauvé un frère. C'est un bordel sans nom, c'est incroyable. C'est-à-dire que si on veut, on aurait pu ne jamais venir découvrir cet endroit. C'est fou. C'est fou. Ok. Alors tu refuses de choisir ton poème favori? Cette indécision ne te ressemble pas. J'ai déjà un poème favori. Un poème de ma terre natale. Bon, enfin, Kratos, dans ta terre natale, t'as tué littéralement tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, empreinte de dragon. C'est la bonne direction. Si tant est que se jeter dans la gueule d'une bête affamée puisse être considéré comme la bonne direction. Encore un dragon? La chose qui a fait ses empreintes, elle a couché ses arbres comme des roseaux. Sois prudent. Je suis toujours prudent. Les gens secrets découvrent la jungle. Un ogre! On ne passera pas tant que cette bestiole cherchera à nous assommer. Alors nous devons nous approcher. Qu'est-ce que je fais? Je vais où? Je sais pas. Non, mais il y a trop de choses. Alors attendez, là les gars. What the fuck? Encore un mystérieux cristal. Il y a trop de choses, ce jeu ne s'arrête jamais.
Oh là là. Ok, il est passé par là, c'est ça? Impasse. Et maintenant? Allez, on n'a pas trop de choix. Oh, oh les deux, ça me plaît. Oh les deux. Allez, hop, éclatage de bouche. Voilà, je m'avais pas bien compris. Voilà, tiens, devant ton pote, ça dégage, hein. Allez, toi, c'est pareil. Eh oui, mon pote. Oh là, pardon, excuse-moi, ce qui m'a pris. L'excitation, sûrement, d'éclater la gueule en deux d'un putain de loup. Ok, superbe. Eh ben, écoutez, on monte. Mais je sais pas où je vais, mais c'est... Je suis bouche bée, en fait. Genre, il y a un troll à... Ils ont fermé les vannes. C'était une blague. Tu en es sûr? Moi, je trouvais ça drôle. Allons voir cela de plus près, d'accord? Maudit Odin, nous pourrions atteindre l'autre côté de ce canyon si l'eau coulait encore au milieu. Non, mais attendez... Non, mais non, 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 mais je refuse. On va faire demi-tour. Écoutez, on va faire demi-tour. Il y a beaucoup trop de choses. Je suis désolé, on n'a rien fouillé d'avant. On va de chemin en chemin, c'est totalement fou en fait ce qui se passe. Oh, tiens, j'avais oublié ça, incroyable. Hop, vous m'en voudrez pas. Au pire, on arrache le troll. Mais là, les gars, non, non, c'est trop. Attends, j'ai un doux. Oh non, catastrophe. C'est bon, j'aime là. Ouais, c'est... Vous avez vu? Enfin... Waouh! On est dans le désert, on revient dans la jungle. Là, pour le coup, je vous avoue que je viens de prendre une claque. Ça me gratte le visage. Comme j'en ai rarement reçu. Vraiment? Oui, là, tu vois, sur mon menton. Ça pousse. Vraiment? Ce n'est pas de la crasse? C'est pas de la crasse. C'était très mignon cette conversation. Mais je viens réellement de prendre une claque du monde jeu vidéo ludique parce que, putain, les jeux... Excusez-moi hein, de cette expression, mais enfin, les jeux qui vous emmènent comme ça dans des quêtes secondaires affolantes, il faut le dire, et qui vous transportent sur 3-4 épisodes, ce qui représente 2 heures de jeu, ça, sans jamais vous donner l'impression de faire la même chose, c'est... Enfin, les gars, c'est presque un miracle, en fait, genre réel, hein. C'est fou, littéralement fou. Bon, allez, on va essayer de rejoindre l'autre côté comme on avait fait. Tout simplement pour voir ce qu'il y avait près de cet éclair aussi. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes qu'on peut en tirer. Mais j'ai tout fait de cette zone-là. Maintenant, il reste cette zone-là. Hop, là-haut. Ça, c'est fait. Et là, mais comment on accède là-haut? Ça, par contre, je pense que c'est avec la rivière. C'est avec la rivière, I think. Et là, là, il nous reste trop de choses à faire, en fait. C'est genre... Enfin, c'est fou. Oh merde, on peut pas monter. Par contre, ici, c'est bon. Le dragon, il viendra plus nous casser les coronesses, avec tout le respect que j'ai pour vous. Où est l'âme? Et je parle pas de la chanteuse. Okay. Lui, c'est... Et lui, forceur de la mer. Voilà. Allez Ok, ça c'est fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ah.
Très bien. Ok. Bon. On a tué un golem. On a tué un dragon. On a tué un soldat. Non mais c'est fou. C'est fou tout ce qu'on a fait. Vraiment, hein. Là, c'est le mur qui nous a un petit peu cassé. Et il y avait aussi ici, mais oh là là! Il y a trop de choses partout! Il y avait aussi cet endroit où on n'a jamais été, les amis. Et il y a là... Oh là 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 là. Mais excusez-moi, mais... C'est presque trop, en fait, j'en dégueule! Oh non. Ça a stylé. Ah, oui. Ok. 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 Okay. Oh la vache. Ça c'est impressionnant. Ça je vois toujours pas comment. Ok. 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 Je vois pas comment échapper à ça, c'est superbe. Ok, attendez. Je reviens. Oh, heureux. Beaucoup, ça étonne. Ça étonne. Allez, go. Ouh. Oh là là. Non, non, j'ai pas utilisé des écrits. Prends-les, tu veux. Il semblerait qu'on ait dit aux vagabonds qu'en explorant les neuf royaumes et au-delà, ils trouveraient un accès au paradis. Qui leur a dit? Quelqu'un qui se fait appeler l'invité aveugle. Odin. Ça ressemble bien à ça. Waouh, il y a trop de choses. Oh, je suis choqué, les potes. Oh, souvenez-vous. Oh non, c'est son corps carbonisé par Odin. Terrible. Nous t'apportons ce que tu as demandé. Merci. Mon amour m'attend à Folkvanger. Je peux maintenant lui demander de passer l'éternité à mes côtés. Comment pourrais-je vous remercier? Dis-nous ce que tu sais de ce jour. Je me rappelle être entré dans une halle à hydromel et y avoir vu Thor. À Vanaheim, vous savez ce qu'il faisait là? La rumeur colportait qu'il cherchait un avant-poste militaire, Van. Je ne voulais pas avoir d'ennui, alors j'ai filé. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Mais peut-être d'autres en savent-ils plus. Ok. Allez, ça je c'est me demande fait. Si Thor avait rendez-vous dans cette halle à hydromel. Regardez en bas, c'est la jungle. Thor et Mer se seraient vus là-bas. Veil n'a jamais bu avec moi. Elle ne l'aurait pas fait avec lui. Il arrive qu'on ne connaisse pas très bien ceux que l'on aime, mon frère. Ah, c'est pas fini, les gars. Hein. Putain, c'est jamais fini. C'est jamais fini. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Youpiyo, youpiyé. Puis on pouvait passer en dessous. Oh là là, quel boss. Il y avait les mecs en haut là qui nous cassaient les... Je vois, toi t'as peut-être... Toi t'es le meilleur toi, hein. C'est ça ton problème à toi. Hein.
Bon, allez, je vais lui casser la gueule là-haut. Essaye, il sera. Non. C'est quoi ? Ça ? Ah ouais, mais alors attends. Ça c'est très fort. Je veux affûter ta hache, si tu veux. Attends. La meule sur patte qu'on m'appelle. Waouh, ça c'est très fort. Ce qui va se passer là, les amis, c'est très très fort. Tu peux faire quoi, mon ref ? Parce que là, j'en peux plus, je suis débordé. Améliorer ! Oui, bien sûr ! Ah, putain, quel malgré bonheur. Malgré les années, elle reste splendide. Superbe. On a d'autres trucs à se raconter ou pas ? Attends. En armure, je crois que je peux faire des dingues. Épaulière de chasseur. Et ça, c'est en écaille de dragon quand même. Ça a l'air fou. Ça a l'air fou, les gars. Vas-y, hein. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Oh la vache. Ça va. Ok. Les potes. Un truc à dire avant de décamper. Les potes, c'est incroyable. Ok. Encore un de ces mystérieux cristaux. Je sais que je vais en chier. Ok. Je vois comment je vais la jouer. Ok. Que faisait ce séisme ? Quelle angoisse ! Certains vannes se sont tournés vers la magie noire pour se protéger des as, non sans conséquence. Oh, y a trop de choses pour toi. Ah bah c'est là ! Ah les malins, c'est pour le coffre qui est juste en bas. Voilà, on va pas se faire. Ah, super. Les nouvelles sont bonnes. On m'a juste arraché la gueule. Hop. Allez, rentre là-dedans. Ghostbuster. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ah, tu l'as eu. Mon bon Kratos, quel excellent travail tu viens d'accomplir. Je n'ai pas besoin que tu m'encourages. Oh non. Je t'ai offensé. Oh non. Je crois que tu l'as vexé. Obtenez-en 6 pour lui rendre sa forme initiale. Qu'est-ce que c'est tout ça ? Non, là, j'ai un réel problème là. Il y a un culte de mes couilles ou quoi ? Nous allons l'arrêter. Je ne crois pas qu'on puisse le tuer. On peut le brûler.
lui a fait peur. Il retourne se cacher dans sa source. Okay. Pars, petite gazelle. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'en prie. Elle était gentille. On devrait jeter un œil dans les environs. Oh. Là où d'autres feux follets se seraient échappés. Oh. J'entends quelque chose à l'heure. Quelque chose de furieux. Ah d'accord, ok, faut que je trouve toutes les bêtes qui se font arracher les la gueule. Regarde, un autre foulet. Ok. Oh, je vais invoquer une entité, mon rêve des fous. Oh, les galères. Tu as besoin de soins? Moi, oui. Dans quoi je m'embarque, les gars? Dans quoi je m'embarque? Les feux follets sont bloqués dans la source. Il y a une lumière à chaque... Oh là là, je suis dans la merde. Il y a une lumière à chaque fois qui s'allume, là. Regarde, un autre feu follet. Il dévore ce gnou. Allez. Oh là là, j'aime pas ce qui va se passer, vous le savez. Vous le savez aussi bien que moi. On va faire une invocation et on va s'arrêter là. On verra ça pour l'épisode 49. N'oubliez pas de j'aime et de commenter. À bientôt tout le monde. Bisous, bisous, bye bye.